il m'a traité de sale race. Partie 2 et fin. Des idées sombres m'ont traversé l'esprit. Je ne me connaissais pas si mauvaise. J'ai découvert des émotions jamais expérimentées avant. Heureusement, jamais je ne suis passée à l'acte. Mais j'ai eu une profonde haine envers lui et tout ce qui lui ressemble. J'ai eu trop mal. À cause de cette histoire, je suis devenue raciste. Je me suis mise en tête que les hommes blancs étaient mauvais. Mais pas seulement. Les hommes en général. J'en étais écœurée. Je me suis même mise en couple avec une autre femme. Waouh, un échec. Un échec cuisant et dévastateur. Je suis partie en dépression sévère. J'en ai perdu mon travail. Mes amis et ma famille m'a renié. Malgré les pulsions intenses, j'ai passé outre et j'ai pardonné pour avancer. Une dame du social m'a dit: permettez-moi de prier pour vous. Moi, je lui ai dit: bof, pourquoi pas? De toute façon, vous savez, Dieu, moi, j'y crois pas. Non, je n'y crois pas. Mais 7 jours après cet entretien, je recevais un appel pour un emploi. Dans la même année, ma sœur, ma propre sœur, oui, dans cette même année, ma propre sœur me téléphonait. Waouh, c'est glorieux. Je me demande très sincèrement au fond de moi si je n'avais pas parlé à cette femme de social. Si elle n'avait pas été croyante. Aurais-je eu cet emploi? Me serais-je réconciliée avec ma sœur? Aurais-je pu pardonner mon ex-compagnon après le mal qu'il m'a causé? Est-ce que Dieu lui-même est derrière cela? Votre avis m'intéresse. Écrivez Fatou via écriture avec 2k@gmail.com. Merci d'avoir suivi mon témoignage. Je rends gloire à Dieu.